Et attention, hein, le mec, autant il est super gentil. Super gentil. Mais même s'ils sont adultes, je te le dis, il peut être pourri, il peut être super. Tes enfants, en tant que femme, te diront, le mec, il me plaît pas. C'est sûr. Sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu aies quelqu'un. Stop. Écoute. Je te le dis. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand, c'est la même. Parce que en règle générale, de toute façon, quand tu as des séparations, qui c'est qu'a les mômes? Qu'ils soient petits. Quand ils sont petits, en général, c'est la mère qui les a. Et quand ils sont grands, la mère, en général, quand il y a eu des séparations, de toute façon, en général, ils vont plus être proches. La fille va être plus proche de sa mère. Bon, et des fois, quand c'est... des garçons, en général, c'est du père. Mais là, écoute, les petites filles, ok, ou qu'elles sont grandes, n'aimeront jamais le nouveau mec. Et dans l'université, bien souvent, c'est pareil. Écoute, je te le dis. Alors, qu'il soit petit ou grand, que ça soit des garçons ou des filles, laissez passer l'orage, hein, et que ça peut mettre un moment. Hein. Je te le dis. Alors, des fois, c'est vrai que oui, tu peux avoir des mecs pourris. Tu peux avoir des femmes pourries. Mais tous, ils seront pas bons. Hein. Ah, j'ai rarement vu qu'on apprécie le nouveau copain ou la nouvelle copine à papa ou à maman. Hein. Ah ben, et peu importe les âges. Hein. Ah, écoute, je te le dis. Donc, laissez passer les orales. Ne dites aucun mauvais commentaire. Hein. Écoutez, hein. Par exemple, tu as des garçons. Quand, par exemple, tu vas voir ton mec qui a les enfants, qu'il y ait des garçons, des filles, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, ne dites rien de méchant. Hein. Parce que après, quand ils retournent chez quelqu'un, quand ils sont petits, en général, c'est la mère. Hein. Taisez-vous. Hein. Parce qu'après, les gamins vont tout répéter à la mère, comme le téléphone arabe. Oui. Et après, ils vont aller dire au mec, ben franchement, hein, ta copine, elle me plaît pas. Hein. Franchement, moi, les petits m'ont dit ça. Si, écoute, je te le dis, taisez-vous. Mais quand ils sont grands, c'est pareil. Hein. Bien sûr. Et qu'après, on fait des mauvais commentaires. Quand, par exemple, parce que vous n'allez pas vivre de suite ensemble. Mais croyez-moi que même les grands, c'est pas mieux. Hein. Écoute, en général, qu'ils soient grands ou petits, ils n'aiment pas. Écoute, je te le dis. Donc, accrochez-vous. Hein. Je te le dis. Ouais. Et puis alors, il y a un truc aussi, autre chose. Je crois que la vidéo va couper, c'est pas grave, je le dirai après. En général...